Pouvoir du mal pour mon intelligence. Pouvoir du mal pour mon intelligence. Pouvoir du mal pour mon sagesse. C'est le nom. Consulé. Au nom puissant de sa bombe. Effraie Satanie. Effraie Satanie. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Effraie Satanie. Activité satanique, soit consumé par le feu, consumé par le feu. Au nom puissant de son bien, on va prier, on va demander le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pardon, toute ma sainte. Pardonne mes ancêtres. Tous les ancêtres qui sont pratiqués la sorcellerie. Mes ancêtres qui ont pratiqué la sorcellerie. Mes ancêtres qui sont dans les occultes. Mes ancêtres qui sont dans les occultes. Mes ancêtres qui sont servis des idoles. Mes ancêtres qui ont servi les idoles. Mes ancêtres qui sont maudits Dieu. Mes ancêtres qui ont maudit Dieu. Pardonne-les. Au nom de Saint de sa prière, Seigneur, pardonne mes parents. Tous les péchés de désobéissance. Désobéissance contre toi. Désobéissance à ta parole. La rébellion. Contre toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de son avoir prière. Amen. Au nom puissant de son avoir prière. Amen. 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 Asseyez-vous. Seigneur Jésus-Christ, viens prendre contrôle. Viens glorifier ton nom. Seigneur Jésus-Christ, allez-y avec nous. Ouvre notre yeux. Montre-nous le mystère dans ta parole. Glorifier ton nom. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Descends avec ta puissance, avec ton esprit. Règne dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, à vos prières. Amen. 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 Ecclésiaste 10. Dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. He that digeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an edge, a serpent shall bite him. Alléluia. Si vous êtes là en français, he that digeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an edge, a serpent bite him. Si vous êtes là-bas, aide-moi à lire. Ecclésiaste 10, verset 8. C'est le qui croit,
le trou, il tombera dedans. Et celui qui brise le mou de sa patte, il va lui maudire. Sa patte, il va lui attaquer. Le sapate. Ecclésiaste 10, 8. Le sapate. Aujourd'hui, nous tous, on a brisé le mou que Dieu il a utilisé pour nous protéger. Cet mou était brisé depuis jardin de l'Éden. Était brisé à cause du péché. Dieu nous a crié, nous menons son jardin dans son protection. Et on a resté, et comme on dit ça, quand quelqu'un n'est pas très sage, le diable est venu rentrer dans cette terre et là où Dieu nous a mené. Il nous a trompé, le diable nous a trompé. Il nous a fait des péchés contre Dieu. C'est comme ça que cette protection est brisée. Alléluia. Mais c'était aussi incroyable que jusqu'à aujourd'hui, on continue encore de briser cette protection. Après tout ça qui a passé dans le jardin de l'Éden, Dieu il a pitié, il a réalisé encore, a envoyé son fils pour venir pour réarranger et pour construire cette mur. Mais toujours, l'homme a continué de briser et détruire cette protection. C'est pour cela qu'il y a l'attaque. L'attaque continue. Les enfants souffrent. Les parents souffrent. Lundi, on a vu quelque chose dans le rosé. Là où il a dit, Osé 2, ouvre-moi ça, ouvre, Osé 2. Je pense que ça se trouve le verset 6. Quand il a parlé de construction de caractère, il a tout de notre parent. Maintenant, il a dit quoi pour les enfants? Je pense que c'est 6 pour vous. Donc, en français, c'est 6. Mais en anglais, c'est 4. C'est 8 ou je ne sais pas. Oui, il dit des enfants, il va parler des enfants. Donc, des enfants. Avec 6. Oui. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants. Oui. Car ce sont des enfants de prostitution. Ça, c'est des enfants qui sont innocents. Des enfants qui sont innocents. Maintenant, ce sont des enfants qui sont venus sans problème. Bien ni. C'est Dieu lui-même qui a fait, qui a mis les enfants là dans le ventre. Maintenant, pourquoi la colère de Dieu se porte les enfants là? À cause de quoi? Les parents. À cause de quoi? Les ascensions. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de choses que nous on a en train de souffrir et passer aujourd'hui, c'est pas notre péché qu'on a en train de souffrir. Plus par les choses qu'on souffre, c'est des choses qui sont déjà dans notre lien familial. Beaucoup de choses qui sont déjà là-bas parce que la sécurité de Dieu, et Dieu a déjà pour secouer cette famille, est déjà brisée. Et Dieu lui-même, il est déjà dans la colère contre cette famille. La colère de Dieu est déjà dans la famille. Jérémie 7. Jérémie 7, on prend ça à partir de 18, on prend le 18. The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women kneel their bow to make cake to the queen of heaven, and to pour out drink offering
unto other gods, that they may provoke me to anger. Verse 19. Do they provoke me to an anger? Said the Lord. Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? On past the two to the feather. There's a far past the two cycles to the feather. We're the first up who airport one. That would be easy. Who's a tackle to the first who men who men got a confusion? Confusion complete. Attack it, plus pas de nous, plus pas de nous, par là, ils sont sales le diable. Sous le diable, manger avec le diable, boire avec le diable. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a les parents, au lieu de dire les enfants, allez dans l'église, il va dire, allez dans le club, ou allez regarder le cinéma. Alors que c'est le jour, c'est le temps, c'est le temps d'aller à l'église. Il va dire, laisse les enfants, Mais si c'est pour aller chez son copain, aller rester là-bas, il va les libérer par les enfants. Mais l'église, non. David vous dit, Dieu me dit, c'est pas pour moi. Ça que nous, on a dit, c'est pas pour moi. Ils sont en train de mettre lui-même dans la confusion. Parce que le temps que le problème là va venir, je vais vous dire quelque chose. Plusieurs fois, c'est pas ça qu'on a planté aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on récolte ça. Plus pas de la souffrance que nous on a de passer, c'est pas aujourd'hui qu'on a planté ça. C'est la plantation qu'on a déjà fait, peut-être le temps qu'on a, nous sommes encore peut-être 10 ans, 8 ans, et 5 ans, donc, tout ça, on a déjà planté ça. Maintenant, à ce moment-là, parce que tout doit être bien, on a fait soit cette récolte. Parce que le temps que tu as pardonné Dieu, tu vas voir Dieu lui-même. Le temps que. C'est pour ça qu'on doit faire attention les enfants. Fais attention. Le temps que tu as fait quoi contre Dieu, tu as fait insulter Dieu. Tu l'as fait insulter parce que tout c'est ça que tu as fait. Dieu, c'est quelqu'un que. Quand on te dit que. David dit le temps que quand il attaque, c'est le temps d'aller dans la maison de Dieu, mais c'est dans la joie. Mais pour vous, quand vous attendez à aller dans la maison de Dieu, vous êtes dans la colère. Mais si c'est pour aller dans, chez votre copain, ou aller dans le cinéma, ou dans le club, vous êtes dans la joie. Hey. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. La maison de Dieu, c'est. Même si vous quelqu'un qui venez aller à l'université, le plus grand à l'école dans le monde, là, la maison de Dieu reste toujours la meilleure. Si c'est là qu'il y a la vérité, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont tous, le diable a déjà pris contre les deux. Si c'est la maison de Dieu qui parle la vérité, tu rentres là-bas, tu vas recevoir des choses que tu ne peux pas jamais. Il y a ton professeur à l'école, il ne connaît pas même ça. Le temps que tu vas commencer à te dire, parle, il va demander qu'il te donne les sagesses là. Il a tout son diplôme, mais il n'est pas ça. Ça là, on est obtenu ça par comment dit ça. On ne peut pas avoir ça avec le diplôme. Il n'y a pas le diplôme. C'est le Saint-Esprit qui te donne le diplôme de ça. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. La Bible nous a fait comprendre. Il dit, regarde ça que les enfants sont en train de faire. Regarde ça que les parents sont en train de faire. Plus pas les parents, plus pas les enfants, ils sont déjà. Plus pas les parents, ils ont conduit les enfants dans le service de diable. Halloween dans l'école. Le témoignage que David a dit à la fin, là, il a parlé de Halloween. Vous allez voir les enfants, vous prendre, vous commencez à faire votre visage, et comme le squelette. Le squelette, vous connaissez l'esprit de squelette. Le squelette, c'est l'esprit qui ne veut pas progresser. Parce qu'il n'y a pas la chair. Le squelette, quand il marche comme ça. Il marche comme ça. Quand le maladie, quand tu as dit de louer le squelette, quand le maladie de squelette va venir, tu vas. C'est pas pour que tu as dit de louer le squelette là que cette maladie va venir. Parce que quand tu as dit de mettre tout ça, tu as dit de déclarer que Jésus aussi comme le squelette.
Tant que le problème est que tu ne vas pas venir, faut pas dire que Dieu tu es où. Vous pensez que le diable il est fou. Tout ça que le diable il fait, tous les gens qui ont été participés, il va payer. Si il te donne l'argent là, tu vas, il a déjà pris grand chose dans la vie des personnes. Save Dieu. Tout ça que vous voyez dans le pays civilisé là, ça là c'est la poussette. Ça là, vous voyez, le temps que la lèvre va partir, tout ça là, c'est même grave parce que le temps que les enfants de Dieu vont quitter Jésus là, est-ce que vous savez que le monde là va rester, ce soit 10 jours sans allumer? Il y a rien, toutes les choses vont paralyser. Le soleil, il va partir tout. C'est le temps qu'on va savoir que ça cause les enfants de Dieu, que Dieu a dit de pitié, que les choses vont être fortes encore. Le système de gouvernement, le système de toutes choses, le système de monde, il va paralyser. De save Dieu. Le diable, il est derrière nous tous, en train de chercher pour nous diviser. La Bible vous dit, vous voulez faire que les enfants en train de faire. Plus pas les gens aujourd'hui, on a déjà conduit les enfants dans des choses qui ne sont pas bien. Les parents qui sont frimaçons, qui sont dans les occultes, partout les occultes, a déjà initié les enfants dans cet occulte. Les gens que vous pensez que c'est votre ami, est-ce que vous connaissez celui que son parent ils sont? Un enfant de quelqu'un qui est un occulte. Fais attention, si tu ne sais pas, il a déjà aussi initié son enfant dedans. Alors il vous dit, il nous a fait comprendre qu'il dit, vous connaissez le, comment dire ça, le lézard, ça qui marche dans le... L'anolie. Oui, il fait comme ça. Iguane. Il dit, il y a un parabole, il dit, tous les iguanes, ils marchent avec le ventre à terre. On ne sait pas, on ne connaît pas celui qui est mal ou mal. Est-ce que tu peux dire que c'est ça, il est mal ou mal? Parce que tout marche avec le ventre. Tu ne sais pas ce qui est mal ou mal ou mal. Ah, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est ça. Tu ne connais pas celui qui est dans son ventre. Allez. Dieu nous a appelé pour être sage et être intelligent. C'est là qu'il nous a dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est pas toi, être intelligent. Prier, la prière de combat. Combat, le vrai combat. C'est ça qu'apôtre Paul il a dit Timothée. Mais c'est nous aussi, nous sommes le Timothée qui bat. Combat, vous, le vrai combat. Nous sommes dans le monde où nous combattons. Quand vous voyez, vous partez MFM, notre siège seulement à Paris, vous allez voir comment les enfants, les petits enfants, ils prient. Ils vont même attraper les têtes, à prier. Je récupère ma destinée. Vous pensez que votre destinée, c'est depuis le vent que immédiatement, quand vous avez quelqu'un à rentrer dans le vent, sur les poids, ici à lui, le diable maintenant, il cherche cette étoile pour voir si c'est ok ou non. Il va commencer de chercher. Si le parent n'est pas très très chaud dans la prière, le droit de la personne, le destin de la personne, depuis le destin, il a déjà rentré dans le problème. Alléluia. Quel est le problème avec les oppressions? De la Bible nous a fait comprendre, regarde la vie de Samson, dans le livre de Juges 13. La vie de Samson. Juges 13. Jérémie, il nous a expliqué beaucoup de choses là, mais on va retourner dans le Jérémie là après. Juge.
Juge 13, commencez par verse 3. Verse 2. And there was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare not. Verse 12. And the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold, now thou art barren and beareth not, but thou shalt conceive and bear a son. Look at a condition. Now, therefore, beware, I pray thee. Again, put that in. Let's start. Est-ce que c'est correct avec vous pour vous? Le moment maintenant est en train de préparer pour le soir à 7. Mais la Bible l'a dit, âge de Dieu dit, attention, je te prie. Pardon. Plus pas ça qu'on a fait souffrir aujourd'hui. Plus par nos parents, nous allons recevoir le message de Dieu, le temps que nous sommes, on veut avoir un set. Pour nous, nous allons recevoir le message, il y a des choses qui sont recevoir la prophétie, il y a des choses qui sont recevoir beaucoup de choses. Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont tous perdus. Dieu l'a tous donné le signe que l'enfant que tu vas mis là, il va, c'est un enfant spécial. Mais ils sont tous perdus. Plupart de nous aussi, notre parent nous a dit, mais on n'est pas accepté. Plupart de nous, notre parent dit, ah mon fils, viens à l'église. Dieu m'a dit que tu vas rester à l'église. Dieu m'a dit que tu vas rester dans l'église. Or non, laisse-moi aller à l'église. C'est cela que beaucoup des enfants ont souffert aujourd'hui. Cette génération, je vous dis que cette génération. C'est une génération très méchante. C'est une génération qui sont contre Dieu. Contre Dieu. Dieu est revenu n'importe quoi. Quelqu'un qui peut décider maintenant que tout le monde l'a fini. Personne ne peut aller par le voir pour lui demander de pourquoi. C'est lui qu'on a envie de jouer avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut dire que aujourd'hui, tout ton plan avant que cette 2018 soit fini, il dit qu'aujourd'hui là, c'est terminé. Qui peut lui demander, qui peut lui dire pourquoi? On a dit de jouer avec lui. La Bible, il a dit, verse 4. Now therefore, beware. En français, s'il vous plaît. La femme enfanta le fils et lui donna le nom de Samson. Non, c'est pas. Juge 13, verset 24. Non. 4. Verset 4. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin. Prends bien, il a dit, fais attention. Maintenant, fais attention. Pour moi, dit, fais attention. J'ai été pris. Ça veut dire qu'il a demandé pardon. Pardon. Fais attention. Alléluia. Il a continué. Il a dit, après ça, il a dit, ne bois pas de vin. Maman, continue. Ne bois ni vin, ni beurre forte, mais ne mange rien d'impur. Le 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir, qu'est-ce que ça signifie? Incision. Plupart de nous, on nous a donné l'incision partout. Amen, Jésus, il est un peu malade. On l'a amené chez les marabouts. Il est un peu malade. On l'a envoyé chez les marabouts. On l'a envoyé chez les. Ça. On l'a envoyé chez là-bas. On l'a envoyé n'importe où. Les spécialistes, les définitions, les gens qui utilisent le cadre, ils utilisent ça. Pour aller voir ça. Pour aller voir ça qui se passe. Pour aller voir ça qui se passe. On nous a dit. C'est ça que la Bible. Rien de toutes ces choses ne doit pas toucher cet enfant.
Et continue, maman. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Parce que cet enfant sera consacré. Plus pas de nous, combien de nous qui étaient consacrés à Dieu après la naissance. Comment les choses ne se passent. C'est pour ça que il donne cette délivrance par la grâce de Dieu. On va consacrer notre enfant. Alléluia. On a besoin de faire ça dans la même chose. Reconsacrer les enfants. Parce que la plupart de nous, il n'y a pas, on n'a pas fait ça. Dès qu'on n'a pas fait ça, c'est le diable qui vient nous consacrer. Alléluia. C'est le diable qui vient nous consacrer. Immédiat. Consacrer les enfants à Dieu. Parce qu'il partait de Dieu. C'est pour Dieu. Il y a les autres qui ont l'air consacré chez les idoles, marabouts, les féticheurs. Parce que le diable connaît tout ça. Le diable de l'enfant est banni. Le féticheur qui est derrière le parent est banni. Il me dit quand il dit amen. On a beaucoup de choses pour faire pour lui protéger. Il va dire c'est pour lui protéger. Alors que c'est pour lui détruire. C'est pour changer sa destinée. Que Dieu nous délivre dans les désordres. Que Dieu nous aide. Tout ça que c'est tous les enfants, tout ça que Dieu nous a donné, il doit être sur la consécration de Dieu. On doit tout donner à Dieu. Parce que c'est lui. Sans lui, nous sommes rien. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, les gens pensent que parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est pour ça que Dieu voit ça. Dieu voit ça. Dieu est riche aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de travail. Tout cela, c'est faux. C'est faux. C'est le trompeur de diable. Si Dieu n'est pas parmi, jamais la personne ne peut pas voir ça. Donc, c'est lui. On doit lui donner tout, consacrer tout à Dieu. On va continuer. Et qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Vous avez raison. Alléluia. Plus de nous, Dieu nous a amenés dans notre famille pour être ministère de délivrance. Pour libérer notre famille. Pour libérer les parents. Pour libérer les autres enfants. Pour libérer notre génération. Pour libérer notre fondation. Mais aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Le diable a tout changé. Tout changé. Au lieu de libérer notre famille, on a revenu problème pour les familles. Au lieu de libérer les familles, au lieu d'apporter la joie pour le parent, on a revenu maintenant la honte pour le parent, la disgrâce pour le parent, le problème pour le parent. Au lieu de libérer, au lieu de dire mon maman, mon papa, voilà. Maman, voilà, viens qu'on prie. Viens, on va prier, maman. Maman, on n'a pas prié, on n'a pas encore prié aujourd'hui. C'est maman maintenant qui va aller, le parent maintenant qui va aller, viens, on prie, on va fâcher. Et cela, c'est trop facile. C'est trop facile pour appeler le police ou pour aller dire le police que maman est médirage. Ça, c'est une malédiction que la personne a envie de prendre encore. Devant Dieu. Toi qui appelles la police pour ton maman, toi qui appelles la police pour ton parent. C'est une malédiction que tu as dit de prendre encore. On doit faire attention parce que des fois, ça qu'on fait, on a fait pour notre parent. Il y a des enfants aussi, tu vas coucher, tes enfants et tata. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu veut visiter le péché des parents. Et c'est ça. Si toi, les enfants, tu as fait tes parents pleurer, fais attention, parce que ça que tu as fait là, tata, c'est un service que tu as bien planté. Faut pas penser que tu vas échapper ça. C'est pour cela que maintenant, je suis là béni. À la grâce, il a béni que tu comprends maintenant, savoir tout ça qui n'est pas bien, connaître Dieu et marche dans le Seigneur pour prier, pour briser toutes ces choses et réarrange ta vie. Réarrange ta vie. Chasse tous ces démons. Ils sont le démon. C'est ça que le diable est venu faire. Pour disgrâce, pour détruire la famille, pour changer les choses,
Dieu l'a fait le bon plan pour nous. Mais le diable est venu pour changer ça. Il est venu pour changer ça. Les enfants vont venir très désobéissants contre leurs parents. Contre leurs parents. Ne pas même le respect pour les parents. Il y a des autres même qui appellent leurs parents, leurs noms. Ne sais pas que la bouche, la langue des parents, c'est comme la langue de Dieu. S'il te maudit, le pasteur qui va faire ça, si Dieu n'est pas parmi ça, jamais. Cette malédiction, personne ne peut pas enlever ça. Personne ne peut pas enlever ça. C'est le moment que tu es correct, tu n'es pas fait, tu n'es pas fait mal. Mais il te maudit. Ça là, ça ne peut pas manifester. Mais si tu lui as fait mal, et comme cette souffrance, il commence à pleurer, il a ouvert la bouche pour te maudire. Ça qui va te sauver seulement, c'est si Dieu sait que tu es propre. Mais si ce n'est pas ça, tu vas récolter tout ça que tu as. Mais c'est ça que les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas tout cela. Ils sont en train de faire la loi, ils ne touchent pas, ne fait pas les enfants, ne fait pas. Il a dit ça. La bénédiction des parents, c'est très important dans la vie des enfants. La malédiction des parents aussi, ça marche aussi. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Donc le deux là, il faut voir que tu cherches la bénédiction de tes parents. Ce n'est pas la malédiction. Mais le diable, il veut que nous, on reçoit la malédiction. C'est pour ça qu'il a l'habitude d'utiliser les enfants pour faire quelque chose qui va faire que les parents, ils disent quelque chose, ils prononcent un mot négatif qui va leur faire maintenant de revenir n'importe quoi. Parce que toute la parole qui sort dans la bouche des parents, le diable, à part que ce soit négatif, le diable il est là-bas pour capturer ça, pour utiliser ça contre l'enfant. C'est pour ça qu'il fait les enfants pour marcher dans la désobéissance, dans la rébellion, provoquer les enfants, les parents, faire les enfants n'importe quoi, faire les parents n'importe quoi. Mais c'est le diable. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Comment ça aussi s'est commencé? La Bible nous a fait comprendre quelque chose. Alléluia. Ils ont fait comprendre quelque chose. Dans le livre de dans le livre de Deutéronome 18. On a déjà vu Jérémie 7. Parce que tout cela, ça commence par la fondation. Quand le parent a déjà conduit les enfants pour aller servir un autre Dieu, l'erreur a déjà commencé. Regarde Deutéronome 18, verset 10. C'est vrai que les parents aussi doivent faire très très attention. Quel genre de Dieu que vous poussez les enfants pour aller saluer? Quel genre de Dieu? Deutéronome 18, 10. Il a dit, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of time, or an enchanter, or a witch, or a charmer, or a consulter with a familiar spirit, or a wizard,
or a Negro mercy. For all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of this abomination, the Lord that God doth drive them out from before thee. Thou shalt be perfect with the Lord thy God. Alpha say. So now, since I can provoke it to two shows down under the one. Since I can provoke it to. This for me, this with this. Chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est dans la nuit, minuit, il va aller brûler ça dans l'eau, dans la mer. Il va aller faire le sacrifice là-bas et jeter tout ça qui sont besoin de faire le sacrifice là-bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour l'esprit des eaux, Marie. Alléluia. Continue, mon âme. Son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, divination, les gens qui utilisent le papier, ils utilisent le cadre et tout ça. Plus pas les enfants et déjà participer dans toutes ces choses. Continue. Dans chanteur. On savait le temps, les gens disent Ozar. Et l'année, dès 2018, là, ils ont dit au milieu de 2018, ils doivent avoir ça. Ils doivent avoir ça. Le septembre, ils devraient voir ça. Mais octobre, ça sera mal, ça sera mal. Et la fin de l'année, ça sera bien, tout cela sera bien. On savait le temps. Il y a beaucoup de parents qui sont dans toutes ces choses et qui sont aussi déjà comme les enfants dedans. Continuons. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure. Évoque les esprits. La bonne aventure. La bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Qui interroge le mort. Dans quiconque. Il y a les autres. Le professeur se dit ça. L'enchanteur. L'enchanteur qui utilise. Il y a beaucoup de monde dans l'église qui utilise le spirituel. Le pasteur, ils sont là-bas, ils utilisent le spirituel pour envoûter les gens, envoûter du mal. Pour contrôler l'esprit de quelqu'un. Contrôler l'esprit de même. Contrôler. Alléluia. Ça déjà aussi, apprendre les enfants, tout ça. Il y a plupart des enfants qui vous êtes avec dans, à l'école là-bas, ils sont en train d'utiliser toutes ces choses. Les parents, ils font déjà toutes ces choses. Dans le temps à l'école, des fois, les enfants, notre collègue dans l'école, ils utilisent les talismans. Vous connaissez dans l'école, les talismans. Voilà, dans leur sac, c'est non, dans leur poste, non. Ah, mon ami, pourquoi est-ce que ça va? Non, c'est notre. C'est ça qui nous protège, notre famille. Talisman. C'est pas que la Bible a dit, pas. Tous les musulmans, ça. Oui, tout ça. Les chrétiens aussi, ils sont la même chose. Dans l'église, tout. C'est ça. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Comment les choses vont avancer? Il va faire ça, il va penser que ça va bien, mais à la fin, il va tous payer. C'est pour ça que les choses à la fin, ça va tourner mal. Maladie. La santé, tout, ça va revenir autre chose. La difficulté, problème, partout. Il y a des choses qui marient avec l'envoûtement. Il va envoûter quelqu'un. Il y a des choses qui prennent le mari des autres avec le voodoo. Son vrai ami dans le mariage, il va utiliser le magic pour casser ce mariage et prendre le mari des. Le mari de. À cause de quoi? Ça vient où? Parce que ça vient dans la famille. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. C'est tout ça, c'est ça. Tout ça, après maintenant, le démon là, il va commencer à tormenter les enfants. Tormenter les enfants. Même on accepte Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es pas rentré dans la délivrance. Jamais. Le démon là, il ne peut pas même te laisser aller
Un endroit qui est bien pour sa vie, Dieu, jamais. Le tribunal va te pousser là où tu ne veux pas, jamais. Tu vas, là où tu vas te faire de l'alliance, là où tu vas penser que tu es correct. Alors que tu ne seras pas correct. C'est cela que dans cette église, on reste, elle fait enfoncer, ouvre le ciel déjà. Comme si alors que Jésus a marché dans la RR, vous commencez à dire, Madame Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié, ne sais pas. Il y a des choses, c'est ça qu'il a dit. S'il y a parmi vous, c'est le parent qui fait ça. Je connais beaucoup de parents. Le temps qu'on a fait des grandis. Si même dans l'école, le frère de ses amis, le parent il va prendre les enfants, il va les prêter. Quand les amis viennent comme ça, il va tous aller chez les malabous, aller faire le fétiche, le sacrifice pour gagner les aides des amis. Comment, oui, comment, ok, si il gagne ça, oui. Mais qu'est-ce qui passe là? Il a déjà initié, il a déjà maintenant initié comme des choses du monde. Donc c'est comme ça que, le temps qu'il va finir cette alcool aussi, lui aussi il est déjà grandi dans toutes ces choses. Le temps qu'il va chercher le travail aussi, il va aller chez le malabou pour faire le sacrifice pour trouver le travail. C'est ça. Donc, toute la vie des personnes revient maintenant à la vie des chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les minasseurs, chez les dimanches, toute sa vie. Mais le temps, il ne sait pas que tout ça qu'on est en train de faire, c'est une plantation. Vous êtes en train de planter ça, le temps que ça va revenir. Soit que les enfants, il va d'abord commencer la vie des enfants. Tous les enfants qu'on a touchés dans cette situation, on va voir qu'ils vont revenir contre nous. On a commencé à penser de qu'est-ce qui passe. On ne sait pas que tout ça qu'on a déjà investi dans la maison du diable, c'est ça que le diable maintenant, il a déjà demandé que c'est le temps de cueillir. Et Dieu nous délivre de tes choses. On va continuer. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Hein? Il a chassé les gens qui font ça, il a dit, pourquoi vous ne devez pas que vous faites ça? Maintenant, c'est pas même dehors, maintenant, c'est maintenant dans l'église de Dieu. L'église de Dieu. Là que les gens disent que c'est l'église de Dieu, c'est là qu'il fait maintenant le magic. Le micro, mais c'est maintenant, c'est dans l'église de Dieu. Les gens qui regardent l'église, le cadre maintenant, c'est dans l'église. Il réclame aussi qu'ils sont prophètes. Il va dire qu'ils sont prophètes. Ils sont prophètes. Et les gens, ils vont les suivre. Les autres, ils regardent la main. Ils regardent les. Ils vont prendre la main, ils regardent. Ils disent ça. Ils sont aussi prophètes. Ils sont aussi prophètes. Et nous, le livre, nous, Jésus Christ. C'est tout ça, c'est là que la pollution rentre partout. Partout. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. On va encore voir. Maintenant, Deutéronome 5. C'est ça que Dieu lui-même il a promis maintenant. La promesse de Dieu. Quand quelqu'un est en train de faire toutes ces choses, quand on est en train de faire n'importe quoi, à gauche, à droite, en train de faire n'importe quoi, les gens pensent que le monde là, on a déjà venu. Il y a des gens qui disent comme ça. On a déjà venu, il faut ambiance, il faut faire tout. Parce qu'on n'est pas. Un jour, quelqu'un va mourir. Il y a déjà quelque chose comme ça. Il faut vivre. C'est la vie. Et Dieu nous a donné un cadeau. Il faut vivre bientôt aussi. Qu'est-ce qu'on gagne dans le monde là? C'est la mort. La mort. Il ne connaît pas la vie. La mort. Et que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Deutéronome 5:9. Deutéronome 5:9. Si vous êtes là-bas, aide-moi à lire. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième
et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Vous avez vu, ça c'est la promesse de Dieu. Le témoignage de vous, vous êtes en train de dire là, ma femme américaine, qui a dit d'expliquer. Il dit, le temps de tout là, il a une douleur, il a montré cette veste. Il dit donc dans son église, avant, ils sont en train de dire, c'est la Saint-Testament. Mais il dit, ça allait choquer quand le temps que toi il a dit, regarde, c'est moi, c'est ma parole. Il n'y a pas ancien testament dans ma parole. Et il a dit, c'est ça qui a été passé dans ta génération. Votre grand-mère, il est sorcellerie. Donc il y a le sang de sorcellerie dans votre fondation. Donc ça que tu dois prier maintenant, d'abord demander pardon des péchés de ton ancêtre. Et après maintenant, tu commences à couper cette sang avec le sang de Jésus-Christ. Et de, sinon tu te laisses ça, ça va continuer de te troubler. Alléluia. Troubler les enfants, troubler tout. C'est pour cela que la délivrance est très importante. Il y a beaucoup de choses qu'on doit combattre, détruire. Il y a le sang de celui dans la famille. Il y a le sang des occultes dans la famille. Il y a le sang des autres. Il y a les autres familles. Ça, ils sont appelés les samis dans leur famille, c'est le suivi des autres. Marie, Mami Wata. Le suivi de Marie. C'est ça qu'ils savent dans leur famille. Ils sont même ça. Il y a des fois la maison. Il y a des fois quand vous voyez la maison construire, vous va voir, après il va dans la porte pour entrer, la porte, le grand porte pour entrer. Il va faire, des fois, le dessin qu'il va mettre là-bas, c'est le serpent. Le dessin, des fois, c'est le serpent. Des fois, c'est le dessin d'une femme. Ça, c'est l'esprit de Zo. Ça veut dire que c'est ça que cette famille, ils savent. Et puis, nous avons donné Jésus-Christ. Il y a des choses. Le monde là, c'est la Bible, c'est complet. Dieu, Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous libérer. On doit connaître. Si on attaque pas toutes les choses là, le diable va continuer à menacer, attaquer et nous faire n'importe quoi. On doit chasser tout ça qui a connecté, qui fait le diable. Le diable continue de voir. Opportunité pour rentrer dans notre fondation. On doit attaquer et freiner notre porte bien. Freiner ça avec le feu, freiner ça avec le sang de Jésus-Christ. La femme, elle a dit quelque chose. Il dit il y a quelque chose pour les chrétiens. Il dit les gens qui sont dans le culte ou le sorcellerie, il dit si tu es dedans, tu ne fais pas un erreur dans toutes les ordinances. Si tu fais un erreur, il dit, la tenue qu'on va donner à la personne, soit que la personne est morte dans cette tenue. La permission. Il dit, donc, les gens qui sont dedans ne font pas. Il dit, mais nous, les chrétiens, c'est nous qui disons à la grâce, on prend Dieu n'importe quoi. On fait Dieu n'importe quoi. Les gens qui savent le diable. Ne fais pas un rêve. Parce que c'est que s'il fait un rêve, c'est la mort. C'est nous. Qui déclare que les chrétiens. Le temps que Dieu y a parlé, c'est un américain, c'est pas même un africain. Un américain, c'est pas même un noir, c'est un blanc. Sa génération vient d'Allemagne et Angleterre. Sa génération, ce n'est pas un noir. On joue avec Dieu. Le temps que Dieu a commencé, l'ennemi se dit, on a transformé, changé, complète. Tu es changé, complète. Fais tout maintenant, la délivrance et tout. Et parle, dis la parole de Dieu, la vérité. Celui qui voulait savoir, celui qui ne veut pas savoir, reste. La
beaucoup de toute église qu'il y a personne qui peut aller. Mais ça qu'il fait comprendre que le diable est là pour prendre le contrôle de toute l'église. L'église de Dieu n'est pas. Donc, parmi les 100 églises, l'église de Dieu seulement, c'est difficile de trouver 10 qui est correct. 10. Le 90 est déjà pollu. Et on l'a dit de retourner, il ne veut pas. Il dit qu'il ne parle pas de timon, de ce que c'est déjà fait, la grâce me couvre, tout est couvre, laisse le timon. Quand on laisse le diable, laisse ça, comment tu vas laisser ta vrai ennemi de l'évangile, vrai ennemi de Dieu, vrai ennemi de toi-même? Tu vas lui laisser comment? Est-ce qu'il te laisse? Qui tourmente les enfants? Il ne veut pas que les enfants là, les enfants que Dieu nous a donné là, il ne veut pas que les enfants là soient et on profite des enfants là. Ça, c'est la mission du diable. Qu'on ne peut pas jamais profiter des enfants là. Donc, c'est cet ennemi que tu vas laisser. Parce qu'ils sont tous dans l'église en train de faire les voutous, fétiches. L'église qui ne prie pas, qui ne lit pas le diable, lit pas le Satan, lit pas le sorcellerie, ils sont le diable lui-même. Parce qu'il y a le diable dans cette église. Et Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Alléluia. On va voir le Deutéronome 31. Dans la condition maintenant que Dieu nous a donnée pour les enfants. Deutéronome 31, verset 12. Les enfants, il faut noter ça. Deutéronome 31, verset 12. Il dit, gather the people together, men and women, and children, les enfants, and the strangers that is within the gate, that they may hear, and that they may learn, and fear the Lord your God, and observe to do all the words of the law. And that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land whither you go over Jordan to possess it. En français. Tu rassembleras le peuple. Uh-huh. Les hommes. Uh-huh. Les femmes. Uh-huh. Les enfants. Les enfants. Sera donc. Et même l'étranger, ça veut dire que tout se complète. Les enfants, vous êtes en train d'écouter maintenant. Allez-y, maman. Et l'étranger qui sera dans tes portes. Dans ta maison, dans ton pays. Alléluia. Afin qu'il t'entende. Uh-huh. Et afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, votre Dieu. Uh-huh. À observer et uh-huh. à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous avez vu, non? Observer et mettre en pratique. C'est pas seulement observer. Il y a observé, il y a aussi mettre à pratique toute loi de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train d'observer. Il n'y a pas mettre en pratique. Il y a des choses là-bas. Observer et mettre en pratique. Donc, on ne dit pas que Jésus-Christ, c'est pour cela que Jésus dit que Nicodème, tu as de voir. Beaucoup de chrétiens sont comme Nicodème, ils sont en train d'observer. Il n'est pas mettre en pratique. Alléluia. Maman, continue encore le verset 13. Et leurs enfants. Et leurs enfants, notre enfant maintenant. Qui ne la connaîtront pas. Qui ne connaît pas. Nous enfants qui ne connaissent pas maintenant. L'entendront. Il va maintenant attendre. On va les apprendre qu'il va attendre. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu. Uh-huh. Tout le temps uh-huh. que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession uh-huh. après avoir passé le Jourdain. Amen. Vous avez non? Vous avez non? Avant que nous passions le Jourdain, c'est le royaume de Dieu. Avant que tu quittes dans le monde, tu rentres dans le royaume de Dieu. Après mes enfants, dis-les, voilà la loi de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. On savait vous ça et mettre ça en pratique dans votre vie. Parce que bientôt, moi je vais partir, je vais rentrer à Jourdain. Jourdain, c'est l'affaire, le royaume de Dieu.
Je vais rentrer, je vais vous laisser. Donc voilà tout ça que moi-même j'ai dit observer et mettre en pratique dans ma vie. C'est ça que l'Église doit faire. Renseigne les enfants de Dieu. Renseigne les enfants. Prends les enfants. Renseigne-les. Dis-les la vérité. Montre-les la Bible. Montre-les la Bible. Montre-les la Bible. Pourquoi pas les laisser à la maison. Si notre parent a peut-être laissé les enfants à la maison aller à l'église, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Les enfants, vous m'écoutez. Si maman vous laisse, si papa vous laisse, si les parents vous laissent à la maison, vous laissez. Ce n'est pas un bébé. Je vais vous dire ça. Ce n'est pas un bébé. Vous allez dans la vie. Ce n'est pas un bébé. Vous êtes pas. Ne vous aidez pas. Vous ne pensez pas que. Et maman il me laisse des soudains en joie, il me fait ça, mon papa il me laisse des soudains. Non! Peut-être qu'il a déjà parlé, au lieu de, pour éviter le problème, il te laisse. C'est pas une bonne chose pour toi. C'est pas une bonne chose pour toi. Il faut changer ton comportement, changer ton attitude. Hein? C'est pas une bonne chose. Que Dieu nous aide, hein? C'est pas une bonne chose. Pas parce qu'il me laisse, je suis ok, laisse la femme là qui parle, si la maman là qui parle, là, quand il parle, il est parti, tu prends le commande, tu mets là-bas, tu commandes, et il est déjà parti. Et nous, il est là, tout ça, je sais pas que, que Dieu nous délivre dans les désordres, que Dieu nous délivre. On va, il y a beaucoup de choses à parler, mais on va rentrer dans la prière. On va commencer à parler par le Seigneur. Il est Dieu, il ne change pas. Dieu de miséricorde. Par le Seigneur. Si alors que moi-même j'ai fait l'erreur, Seigneur Jésus Christ. Même quand tu me parles, le Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Parce que des fois, ça qui a dit de retourner à nous, c'est la récompense. La récompense. La plantation de céleste qu'on a déjà, on a planté le cri des années qui est en train de revenir. Donc on demande au Seigneur, aie pitié, lave-moi, purifie-moi. Toi aussi, l'enfant, les enfants, ça que tu as dit de faire aussi, demande au Seigneur, essayez de s'excuser. Partout là, tu as dit de provoquer et faire les choses mal contre mes parents, essayez de s'excuser de cela. Aie pitié de moi, aie pitié, je ne sais pas. Que tout ça que j'ai hâte de planter, un jour, un bon jour, verra que moi-même aussi je vais recevoir ça comme une récompense. Par le Seigneur. Les enfants, par le Seigneur. Nous les parents aussi, par le Seigneur. La désobéissance contre nos parents, contre la parole de Dieu. La désobéissance dans la rébellion et tout, la parole nouvelle. Ah! C'est cela que je vois. Les gens, les enfants parlent sans respect. Respect. Pas les parents comme il est caca. Tout cela, ça attend la personne. Ça attend la personne. Et bonjour, Dieu, c'est Dieu qui n'oublie pas les choses. Notre Dieu n'oublie pas les choses. Et garde ça. Il dit, je vais visiter le péché des parents contre les enfants. Jusqu'à 4 générations. Il dit, ma parole ne peut pas jamais jouer. Tout ça qui a déjà sorti dans ma bouche, il ne peut pas jamais retourner à moi sans accomplir sa mission. Ça c'est la parole de Dieu. Parle au Seigneur. Le diable aussi, c'est un mauvais ennemi. Il garde tout notre mauvais comportement. Il garde ça bien. Il garde ça. Il ne joue pas avec ça. Il garde ça pour attendre le bon jour pour utiliser ça contre nous. Ça, c'est le diable. Là, c'est notre ennemi. Il garde tout notre comportement. Tout le mauvais parole qui a sorti dans notre bouche contre notre parent. Le diable lui-même, il garde ça bien. Il garde ça. Après, il va envoyer le démon qui va sous cet comportement, il va sous ça. C'est pour ça que des fois, on envoie un enfant, l'enfant va charger, il va commencer à se comporter très très mauvais, très très mal. Parce que le diable a déjà envoyé un démon qui sous l'enfant là, en train de mettre le mauvais comportement plus en plus dans sa vie.
Et encore, ça réplique encore, il va aussi activer le mauvais ami. On va habiter, dit, mon ami, mon copain, mon copine. Mais tu ne sais pas la personne que tu as pu sortir avec. Tu dis que c'est ton copine, c'est ton ami. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre contrôle. Viens règne, Seigneur Jésus-Christ. Viens règne dans notre vie. Viens règne, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Viens glorifier ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens descendre avec ton sang. Tu es Alpha et Omega. Nous adorons Seigneur. Tu es Dieu de louange. Tu es Descends dans mon lien familier. Tout comportement. Des fois, c'est notre parent, ça qu'il a fait contre son parent. Ils sont le chien, c'est chien. Réaction de chien. Donc ça vient des parents, des parents, des parents. C'est comme ça. Alléluia. Des fois, le comportement des enfants que nous on voit là, si on peut connaître l'histoire de notre famille bien, on va trouver quelqu'un dans notre famille qui a fait comme ça aussi. Parce que sa vie était comme ça. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'on va demander le sang de Jésus-Christ. Localise mon lien familier. Va localiser Saint Jésus-Christ. Pas ta miséricorde. Je demande ta miséricorde. Ça, je suis descendu dans mon lien familier. Depuis la génération, Seigneur, tu connais bien. Là où ce problème a commencé. Comment ce problème a rentré dans la famille? Comment ce problème a rentré dans mon lien familier? Seigneur, tu sais, tu connais toute cette histoire. Je demande le sang de Jésus-Christ. Descends, Seigneur Jésus-Christ. Va, efface, éliminer. Ce problème qui donne le diable la puissance. Pour continuer à attaquer, attaque les enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, le jour que ça a été commencé. Tu connais l'heure, tu connais le jour, tu connais le temps, tu connais l'heure, que le jour que ça a été commencé, tu sais, Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est caché devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Descends avec ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, allez. Allez dans notre fondation. Seigneur, allez. Pas ta miséricorde. Seigneur du sang. Avec ton sang. La puissance de ton sang. Seigneur Jésus. Efface, éliminer. Pas ta miséricorde, Seigneur Jésus. Pas ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Que tu as acheté avec ton sang. Tu nous as donné cette puissance aussi. Oh Seigneur Jésus. Pour éliminer, pour couper tout ce qui n'est pas bien dans notre lien familial. Seigneur Jésus. Descends avec ta puissance, Seigneur Jésus. Descends ce soir. C'est le temps de délivrance. Va nous libérer. Libère les enfants. Les enfants que tu nous as donnés, Seigneur Jésus. Regarde tout ça qui a été passé. Regarde ça que le diable a fait les faire. Seigneur Jésus. Aie pitié de nous.
Aidez-nous. Oh, c'est de ceci. Donc, que nous aussi, on a fait notre erreur. Seigneur, aie pitié, c'est de ceci. Aie pitié, c'est de ceci. C'est le temps. Libère les enfants. Oh, c'est de ceci. Change leur vie, c'est de ceci. Change leur vie. Tout chose négative. Qu'est-ce qui est passé dans notre génération depuis longtemps? C'est de ceci. On a déjà accepté de ceci. On connaît bien la vérité. On sait bien la vérité. C'est de ceci. On sait là que ça vient. On sait que c'est le diable. C'est le diable qui sont derrière toutes ces choses. C'est le temps. Le temps pour nous libérer. C'est de ceci. La puissance dans le sang est de ceci. Descends, c'est de ceci. Descends, c'est de ceci. Au nom puissant de sa prière. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Job 22, 28. On va prendre le matériel pour combat là-bas. Le matériel au combat. Dans le livre de Job 22, 28. Job 22, 28. Le matériel pour faire cette combat. Si vous êtes là-bas, aide-moi. Job 22, 28. Oui. À tes résolutions, répondra le succès. Sur tes sentiers, brillera la lumière. C'est pas ça que ça pour moi dit. Thou shalt also decree a thing. Tu vas aussi décrire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Job 22, 28. Ok, c'est ça. And the light shall shine upon the way. Il dit, ok, je vais traduire comme il dit. Thou shalt also decree a thing. Tu vas faire une déclaration, un décret sur quelque chose. And it shall be established. Ça sera établi. Alléluia. And the light shall shine upon the way. Et la lumière de Dieu, il va se allumer sur ta chemin. Alléluia. C'est comme ça pour moi, il a expliqué. Je ne sais pas si vous pouvez lire le 27 pour vous, pourquoi. Tu prieras et tes yeux seront. Il n'a pas pu voir tes yeux. Oui, le 29. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue ceux, lui dont le regard est abattu. On m'a dit, comment on va rentrer dans la prière, maintenant, on va déclarer quelque chose, ça aussi se trouver dans le Matthieu 18. Matthieu 18 aussi, là, c'est Dieu, je suis là, parmi vous, payez, vous aurez déclaré quelque chose. Ça sera établi dans le Dieu. Donc, c'est ça, la déclaration. Alléluia, on va faire le décret. Alléluia. Donc on va demander, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chiens, On va lever notre voix. Commence à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus descend dans ma vie. Prends contrôle de ma vie.
de rentrer dans le combat maintenant, Seigneur, de sauver le sang. Cette combat, je dois gagner. Cette combat, je dois gagner. Je ne sais pas prier. Je rentre dans cette combat. Par la puissance de Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sors de la victoire dans cette combat. Je sors de la victoire dans cette combat. Je sors de la victoire, Seigneur Jésus. Je sors de la victoire dans cette combat. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton sang. Parce que la Bible dit, il y a la puissance dans ton sang, Seigneur Jésus. Avec cette puissance, Seigneur Jésus. Je rentre dans ce combat. Et je sors dans la victoire. Je sors par la puissance de Saint Jésus. Je sors avec la victoire. Je sors avec la victoire. Parce que ton sang n'est pas jamais souillé. Ton sang n'est pas jamais souillé. Ton sang n'est pas jamais souillé. Je sors avec la victoire. Je sors avec la victoire. Je sors avec la victoire. Au nom puissant de Salomon. Maintenant, rentre dans ce combat. La première chose, rentre dans notre fondation. À partir de notre ancêtre, commence à couper et détruire tout l'alliance de sorcellerie, toute l'alliance des occultes, toute l'alliance de l'esprit des eaux, toute l'alliance des isoles et des idoles, toutes choses que mes ancêtres ils sont servis, tout partout là où ils sont provoqués Dieu, qui a laissé maintenant la maladie. Qui combat contre moi et mes enfants? Priez et demandez au Seigneur. Je dis que nous sommes des Suisses. Coupe et détruit cette alliance. Coupe et détruit. Coupe et détruit par le sang de Jésus, la puissance de Jésus. Coupe et détruit. Détruit. Les enfants, priez pour demander au Seigneur Jésus. Demandez au Seigneur Jésus. Priez au Seigneur Jésus. Il y a le comportement qui n'est pas bien dans notre vie. Il y a le comportement vient. Il vient dans la génération. Il vient dans notre ligne familière. Les enfants, priez. Pour l'alliance des ancêtres, alliance de mes parents, alliance dans ma famille, alliance des générations qui combat contre ma vie. Seigneur Jésus, par ton sang, découpe cette alliance, découpe, stop cette alliance. Cette alliance doit être stoppée à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Cette alliance doit être stoppée. Tu dois être stoppée. Il y a la puissance de sang de Jésus. Il y a la puissance de sang de Jésus. Stop. La Bible dit, il est divin quelque chose. Dieu va accomplir ça. Il va établir ça. Le sang de Jésus va établir ça. Dis-le. Merci de me essayer. On va aller notre voix. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Seigneur Jésus Christ. Merci Dieu. On va demander au Seigneur. Erreur de mes parents. Erreur de mes parents. Erreur de mes ancêtres. Erreur de ma vie. Que le diable du Christ contre mes enfants. À partir de jeunir. Sans la Jésus. Stop, 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 stop.
Thank you, Jesus. Les enfants, nous tous avons prié. Les enfants, viens vous devant. Viens devant. Thank you, Jesus. Il y a la puissance des enfants, tous les enfants. Et tout. Devant, tout. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Viens vous là, il y a encore la place ici. Alléluia. Il reste là. Il reste là. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. On va lever notre voix. On va prier. On va prier. Tout l'esprit de sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Priez-vous. Priez-vous tous. Alléluia. Alléluia. Attends. Ah. Alléluia. On va lever notre voix. Tout l'esprit de sorcellerie. Tout l'esprit de sorcellerie. Les occultes. L'esprit des eaux. Les idoles. L'esprit des marins. L'esprit qui change, qui utilise animal. Les animaux. Les animaux. Les gardiens de famille. Les gardiens de famille. Assiés contre mes enfants. Assiés contre mes enfants. Qui trouble la vie de mes enfants. Qui trouble la vie de mes enfants. Les enfants vous disent qui me trouble. Alléluia. Qui trouble la vie de mes enfants. Dans ma fondation, dans la maison de mon père, dans mon lieu de naissance, dans cette vie, fais de Dieu, sans de Jésus-Christ, localisez maintenant, consulez. C'est moi le Suisse.
de sa prière. So, plante ça magnifique dans ma vie, so, dans ma vie. Après, vous comprenez, c'est la prière, vous chantez. Alléluia. So, plante ça magnifique dans ma vie, sous l'autel de Dieu, ils sont morts, ils sont venus dans l'autel de Dieu afin de jouer. Ils sont venus jouer avec Dieu. Vous avez des rires. Tu ne veux pas que les plantations magnifiques dans ta vie sortent. Tu ne veux pas que ça sorte. Tu as des rires. C'est le démon qui fait ça. Il faut attention que tu ne veux pas devenir un démon. Alléluia. Les autres avaient des prières, tu as des rires. Il faut faire attention. Va rester à côté là-bas. Va rester à côté là-bas. Reste-toi là-bas. Nous ne devons pas être ensemble. Et reste là-bas. Alléluia. Vous ne savez pas que on peut sortir dans le même ventre. Dieu il a voulu abandonner quelqu'un, prendre l'autre. Je ne sais pas. Tu as dit des rires. Je ne sais pas. Il s'en avec. Et après que Jacob ils sont sortis dans le même monde, ils sont même au jument. Mais Dieu il a dit, Esaü, tu n'étais même pas. Mais Jacob, tu es pour moi. Oui. Esaü, tu ne t'aimes pas. Tu ne me partais pas. Si tu es mon frère, si tu ne veux pas sa vidéo, tu te dis la vérité, tu ne veux pas. Je te laisse. Peut-être que tu es Esaü. Vous pensez que Dieu là c'est pour jouer? Dieu n'est pas Dieu de jouer, il n'est pas Dieu de jouer. Il est Dieu de l'amour, à la même chose, le même temps, il est Dieu de feu. Si tu n'es pas prêt de lui, ça arrive à te conjurer. Il peut prendre celui qui vient derrière toi et tu vas revenir un savant pour ton petit frère. Tu vas venir lui demander, quelque chose pour aller acheter le pain. Alors que le temps qu'on a dit de prier, tu as dit de lire. Celui qui est sur lui, c'est ça, celui que Dieu vient visiter. Tu penses qu'on a dit de jouer là? C'est pas pour jouer. Mais là, vous priez, vous demandez au Seigneur. Par le Seigneur de ta vie. Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Oh Dieu mon Père! Toute plantation se valide! Transférée dans ma vie. Programmée dans ma vie. Programmée dans ma destinée. Par la puissance de le sang de Jésus-Christ. Sans l'espoir. La Bible nous a fait comprendre quelque chose dans le journal. Il dit, les enfants,
On ne sait pas des fois, qu'est-ce que les parents ils ont mangé. Il dit, Samson, maman Samson, il dit, ta femme, ne mange pas ça, ne mange pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Donc on va lever notre foi, on va prier. On va prier. S'il y a quelque chose que j'ai mangé, le temps que je sois enceinte, qui a été infecté mes enfants. Seigneur, par ta puissance, par le sang de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, qu'il soit terminé. Priez de manière le Seigneur Jésus-Christ. Priez de manière le Seigneur Jésus-Christ. Les enfants se prier. S'il y a quelque chose que mes parents ils sont mangés, ou moi aussi, vous aussi, vous pouvez manger quelque chose. Vous pouvez manger quelque chose que vous ne savez pas. Dans le temps, vous devez vous amener. Vous ne savez pas que vous avez déjà mangé. Demandez le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que j'ai mangé, qui a contaminé ma vie, qui a attaqué ma vie, qui a pollué ma destinée, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance, la puissance de ton sang, que toutes ces choses soient éliminées, soient bougées. Ça me fait mal des fois. Regarde les enfants. Mes parents n'ont pas jamais pleuré pour aller servir Dieu. Moi-même qui ai choisi mon chemin dans le Seigneur. Après la mort de mon maman. C'est mon maman seulement qui a fait tout le temps que je suis 6 ans, parce que j'aime le football. Et il m'a bien choisi pour m'amener là. Mais après, je ne sais pas que des fois, on ne sait pas les choses. Regarde. Le temps que. Si j'ai l'air de me troubler pour aller sa vidéo, je ne sais pas que Dieu a été utilisé pour me montrer son chemin. Parce que Dieu sait qu'il va mourir vite. Dieu sait qu'il va partir vite. Donc le temps qu'il a parti. Donc tout ça qu'il m'a montré, c'est comme ça qu'il était commencé. Personne ne m'a pas dit maintenant. Mon papa, il a parti marier une autre femme. La femme là, c'est elle, sorcellerie, un diable. Il ne veut pas même qu'il va à l'église. Mais je remercie Dieu parce que les petites choses que mon maman m'a montré, à 6 ans, à 10 ans, je n'ai pas jamais oublié ça. Je suis ça. Dans la souffrance. À l'âge de 10 ans, 11 ans, je suis dans l'école primaire. Je te dis que j'ai travaillé, j'ai fait, vous voyez ce qu'on appelle le colonel, à l'Afrique. Je finis à l'école, je suis dans le marché, je travaille de lave de ce jour des gens. Je lave de ce jour des gens, je fais ça, arrange ça. Pourquoi quoi? Parce que mon père a déjà dit qu'il ne peut pas avoir mon école. C'est l'église là qui dit que laisse ça, on va t'aider. Moi aussi, je dois offrir quelque chose aussi pour assister moi-même. C'est pour cela que, ici là, toutes les choses que vous avez de voir, il a rend les enfants de revenir faibles, sans intelligents. Que nous nous fortifier. Quelqu'un qui vous dit, le parent qui vous dit, viens dans le Seigneur, il vous aime même trop, je vous dis que c'est la plus richesse que le parent vous peut donner, vos enfants. La richesse, le milliard de votre parent qui peut vous donner, c'est la Bible. Si un parent il doit sortir d'avoir la Bible, c'est la personne qui est plus riche du monde. On va prier, on va demander au Seigneur de se laisser. Tout esprit de désobéissance, l'esprit de rébellion, l'esprit dit, je vais vous dire quelque chose. Tout ça que vous êtes en train de faire comme ça, devant Dieu. Tout ça, c'est contre Dieu. Voilà ce que le diable fait. Il va utiliser ça pour bloquer la personne. Le jour que tu voulais avancer, tu sais que tu vas avancer. Contraire. Ta colique, tu vas aller voir devant. Et toi, tu ne trouves pas ta place. Oui.
Tu vas ta place. Parce que quoi? Le temps que tu as provoqué Dieu. C'est ça qui est très dangereux. Ne jouez pas avec Dieu et ne jouez pas avec le parent. Écoutez ça. Si le parent ouvre la bouche, il te bénit. La bénédiction va pas rester. Si il ouvre la bouche, il te maudit. C'est grave. C'est pour ça que, pour pas les faire pleurer. Pour pas les faire pleurer. Et il te dit, bien servir tous, c'est la meilleure chose. La meilleure chose. C'est pas pour aller à la discothèque ou ça là. Non. Le discothèque là-bas, c'est le dimanche que tu vas rencontrer. Le cinéma, c'est le dimanche que tu vas rencontrer. Le club, c'est le dimanche que tu vas rencontrer. Dans la télé, des fois, on sous la télé, tout ça que vous regardez maintenant dans la télé, ça ne glorifie pas tout. Ça que vous choisissez pour regarder, c'est là que les filles sont sexy. Sexy, c'est tout. Il y a des autres qui regardent un peu le football. Mais plus pas, si ce n'est pas un programme sexy, ça ne va pas. Et Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. On va prier, on va lever notre voix. On va lever notre voix, on va prier. Tout comportement négatif. Tout comportement négatif. Bon, comportement négatif. Comportement négatif. Hérité. Hérité. Transférer. Transférer. Qui bloque. Bloque ma chemin divin. Qui bloque ma chemin divin. Qui bloque mon chemin divin. À partir de maintenant. Par la puissance de l'Esprit de Jésus. Par la puissance de l'Esprit de Jésus. Toi cette démon. Toi cet comportement. Avec le démon qui souffre ce comportement. Par la puissance de l'Esprit de Jésus. Par les secours, par le pouvoir dans ma fondation. Reçois la délivrance par le feu. Reçois, ma destinée capturée, ma destinée capturée, par la puissance de son ami, dans ma fondation, dans ma vie, dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon lieu de naissance. Reçois la délivrance par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Oh non, puissant de Jésus, à ma prière. Toute dossier générationnelle. Là où mon nom se trouvait. Où mon nom se trouve. Tout dossier générationnel. Négatif. Là où mon nom se trouve. Là où mon nom se trouve. Par la puissance de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Localise cette dossier. Consulte cette dossier. Toi, pouvoir. Qui ne veut pas que Dieu prie. Contre moi, mon problème. Toi, pouvoir. Qui ne veut pas que Dieu prie. Contre ma situation. Toi, démon. Qui ne veut pas que Dieu parle. Contre ma situation. À partir de maintenant. Fais-le, Dieu. Consume-les. Consume.
Il ne sont pas dans les vrais plans originaux de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous avez de voir tout ça, que vous avez de voir avec les pasteurs. C'est pas parce que quelqu'un est président, c'est pas parce que Macron est président, non. Président de la Bible, parce que c'est sa propre destinée. Alléluia. C'est parce que. Il y a une partie qui doit être un grand nom de Dieu, qui sont maintenant présents. C'est le diable qui l'a poussé là-bas. Alors que Dieu l'a amené pour sauver la vie. Alléluia. Mais il va penser qu'il s'en donne les propres destinées. C'est le temps qu'il va mourir, il va savoir que Dieu va lui demander de lui mener. Tu as mal, le diable t'a déplacé. Tu as mal passé. Donc on va lever notre voix. La femme va prier. Il va dire au Seigneur. Mets-moi donc ton plan de vie. Ton plan original. Le plan de ma vie. Le plan original de ma vie. Seigneur Jésus, mets les enfants, mets-les dans ton plan. Ton plan original, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mets les enfants, mets notre enfant, mets-les dans ton plan original. Par la puissance de ta parole, par le feu de ta parole, par la puissance de ton sang, Seigneur Jésus. Seigneur, mets-les dans ton plan original, ton programme original. Seigneur Jésus, que tout le déplacement s'arrête. Ne peut pas les jamais trouver. Ne peut pas les jamais trouver. Seigneur Jésus, dis ça avec ta puissance.
Tu sors avec ta puissance. Tu es Dieu, tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Le plan original, plan original, plan original, le plan divin de Dieu, plan divin de Dieu, plan divin de Dieu, plan divin de Dieu. Au nom du sang de Jésus, avant prière. Au nom du sang de Jésus, avant prière. Au nom du sang de Jésus, avant prière. Amen. Thank you, Jesus. On va demander encore de lui quelque chose. Et attendez tout ce qu'il va demander Dieu. Quand vous voyez la vie de Moïse, il a vu qu'il a souffert la colère, l'esprit de colère. Ça vient de déclaration. Alléluia. Des fois, les choses que nous on souffre, ça vient de déclaration. Ça va laisser notre parole. Il va nous prendre maintenant. Alléluia. Il va laisser. Le papa de Moïse n'est pas souffert de cette situation. Mais c'est Moïse maintenant. Moïse est petit. Il a bien maintenant prendre un enfant innocent qui ne connaît rien. C'est là. L'esprit de colère, il a rentré dans sa vie. C'est ça qui a fait de tuer quelqu'un en Égypte. Fille. À la fin, après aussi. C'est ça qu'il a fait aussi d'arrêter son ministère. Le diable est très très. C'est pour ça que c'est pas un ennemi de jouer avec lui. Il sait là qu'il va attaquer quelqu'un. S'il a essayé de lui pousser pour aller tuer quelqu'un et fuir et quitter là-bas, et il n'est pas terminé ça. Il n'est pas fini. Il sait que c'est pas encore fini. Il y a une grande révélation là-bas. Un jour que je vais vous enseigner ça. Et le temps que Dieu il a appelé Moïse. C'est pour ça que la plupart des gens vont dire que Dieu m'a appelé. Dieu t'a appelé, est-ce que tu dois aller prier et chercher la délivrance? Et apôtre Paul dit, attends ta ministère. Le temps que tu as dit, attends là, tu dois prier et chercher Dieu et chercher tous les règles dans ta vie pour corriger ça avant d'aller. Alléluia. Parce que nous tous, ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il ne parle pas les règles. Alléluia. C'est comme ça, Moïse. Comme il a appris, Dieu a dit Moïse, alerte à ce sujet. C'est un message, un grand message, une grande révélation. Moïse, alerte à ce sujet. La terre, là que tu es, c'est saint. Qu'est-ce que Moïse a fait? C'est une grande révélation. Moïse a levé le sujet physique, mais il ne sait pas que le sujet que Dieu dit, il a dit de lever, ce n'est pas le sujet physique. C'est le comportement, le caractère. Il y a un caractère dans ta vie, la colère. La colère, c'est comme un soussou. Parce que le soussou, c'est quelque chose que tu portes, importe où que tu es. Dans la maison, tu portes le soussou, tu portes le babouche. On porte le babouche, on porte le babouche, partout là que tu es. Donc, il y a le comportement dans ta vie qui est comme un soussou, qui est comme un babouche dans ta vie. Dieu dit, Moïse, enlève ça parce que tu veux t'envoyer. On devait rentrer dans une alliance avec toi pour une mission. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui va stopper, qui va te disgracer. Mais Moïse pense que c'est le soussou. Mais il a levé le soussou. Mais à la fin du ministère de Moïse, cet soussou, il a dit arrête ici. Alléluia. C'est pour cela que le comportement, c'est très très important. Il y a le comportement, au lieu d'avancer notre vie, il va nous stopper quelque part. Il va nous stopper. Il y a l'attitude, il y a le caractère. Que le temps qu'on a certain de Suisse, priez, chasse du monde. Sinon, ça va nous stopper. Le comportement là, la plupart des comportements viennent des ancêtres. Les ancêtres de Moïse, ce sont les gens qui ont transféré ça dans sa vie. Donc c'est pour cela qu'on va prier, on va prier, on va demander le Seigneur, Quand on vous dit de prier, priez-vous, c'est très très important, priez-vous. C'est une bonne chose, un enfant de Dieu qui prie, tu n'as pas le problème. Si tu as un enfant de Dieu qui prie, tu pries et tu marches dans la sainteté, tu marches dans la vérité, dans la parole de Dieu. Prier. La prière, c'est notre puissance.
C'est notre puissance. Mais toi qui ne prie pas, yes. Le diable il va t'aider de prier. C'est ça. Il y a des choses. Soit que tu pries ou tu joues. Il y a des choses dans la vie là. Tu pries ou tu joues. On va prier, on va lever notre voix encore. On va prier. On va demander au Seigneur. Parce qu'il a dit, je veux visiter. Je veux visiter le péché. Il y a 5. Jusqu'à 4 générations. Priez, demandez au Seigneur. Sans que l'Esprit de Dieu m'a parlé. C'est ça qui est en train de passer. Le comportement dans ma vie. Si c'est le comportement dans mes parents, les anciens frères, c'est maintenant transféré dans ma vie. Seigneur, par ta main sur le corps, éliminez ça. Si la souffrance que tu as de passer aujourd'hui, si le problème que tu as de passer aujourd'hui, la difficulté que tu as de passer aujourd'hui, toute chose que tu as de passer aujourd'hui qui n'est pas bien, qui n'est pas bien, c'est parce que si ça vient de mes parents, de mes ancêtres, si c'est quelque chose transféré, parce que il y a des choses, il y a beaucoup de choses qu'on souffre, c'est transféré, c'est programmé. Le diable a programmé ça. Priez demandez au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je demande à ta miséricorde. Le sang de Jésus, tu es toute puissance pour éliminer, pour couper, pour déraciner, pour éliminer cette chose. Je ne voulais pas continuer de vivre comme ça. C'est toi qui m'as créé. Tu connais ma vie originale. Je vais rentrer dans ma vie originale. Seigneur Jésus. Ta Bible dit, le plan de Dieu dans notre vie, dans la vie des enfants, c'est le bon plan. Il dit, mon projet dans ta vie, c'est un bon projet. Pour te donner le bon vie. Mais le diable, c'est le diable qui est rentré. La Bible dit, quand l'homme dort, on a déjà trop dormi. Dans le livre de Matthieu 13, il dit, quand l'homme dort, l'ennemi il vient planter quelque chose qui n'est pas bien. Le semestre qui n'est pas bien dans sa vie. Et quand l'homme commence à planter maintenant, il commence à voir les choses. Que les choses ne marchent pas bien. Les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui passe? Ma vie n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que j'ai programmé ma vie. C'est pas comme ça que j'ai programmé ma vie. Je l'ai déjà programmé. Et à cet âge, de cela, qu'est-ce qui passe maintenant? Qu'est-ce qui passe maintenant? Parce que tu as été dormi. Les ennemis, ils sont déjà venus planter. Mettre une mauvaise semaine. Priez, demandez au Seigneur Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes enfants, Seigneur Jésus. Aie pitié. Toutes les mauvaises choses, toutes les choses négatives. De passer dans les vies. Donc il y a une vie, Seigneur Jésus. Qui vient de ma fondation. Qui vient à cause de moi-même, Seigneur Jésus. Je demande pardon, 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 Seigneur Jésus. Les enfants, priez aussi. Priez pour le Seigneur Jésus. Tout ce qui a été passé dans ma vie, si ça vient de moi, si ça vient de mes parents, si ça vient de mes ancêtres, Seigneur, aie pitié. Aie pitié, avant de ton sang que tu as versé pour me racheter, Seigneur Jésus. Je demande, aie pitié, Seigneur Jésus. Je ne veux pas que ça continue encore. Je déclare à partir d'aujourd'hui que je ne dois pas continuer encore. Par ta puissance, par ta miséricorde, Seigneur Jésus. Change ma destinée, change ma situation. Père Jésus, viens règne dans ma vie. Seigneur Jésus, localise tous les enfants de MFM. Seigneur Jésus, tout ça que tu nous as donné dans notre famille, tout ça qui nous appartient, Seigneur Jésus, tout le péché, tout chose négative, la vie vient qui nous attaque, la vie est négative, le comportement négatif, l'attitude, toute chose qui ne glorifie pas ton nom, qui on a fait de souffrir, on a fait de passer, on a fait de voir n'importe quoi, Seigneur Jésus, qui vient à cause de notre péché, le péché de notre parent, le péché de notre ancêtre, des dimanches au soir. Aie pitié, Seigneur Jésus. Efface, éliminer. Seigneur Jésus, par ta puissance, par ton sang, tu as fait cette salle pour nous purifier, pour nous racheter. La Bible nous a fait comprendre que partout là, on nous a vendu cadeau. Tu as venu pour nous acheter. Tu as fait ton sang pour nous acheter. Seigneur Jésus, achète-nous à partir d'aujourd'hui. Cette dimanche, cette pouvoir qui ne venait pas, qui aura dans notre
vie originale à partir de maintenant. Que cet esprit soit construit par le fer. Que cette sorcellerie dans la fondation. Sorcellerie dans la fondation. Tous nos semestres qui sont des dans notre fondation. Qui nous prouve que nous sommes tous dans notre fondation. Nos semestres qui sont des dans la fondation. Pour nous chercher, pour nous trouver, pour nous attaquer. Partout là qu'on se trouve, Seigneur Jésus. Il s'appelle à l'élever contre nous à partir d'aujourd'hui. Et ton sang est sale. Localise cette semaine de cette sorcellerie, semaine de ce couteau, semaine de ce dol, dans notre famille, qui nous trouve, qui attaque les enfants, que toutes ces semaines soient consumées. Mais par le fait. Toute doigt satanique qui a déjà posé la main sur ma tête pour prier une mauvaise prière contre moi. Main satanique qui a posé la main sur ma tête ou qui a prononcé des choses négatives contre moi. Par la main de Dieu, je commande et je ordonne. Tous ces prononciations. Retour à voyer. Retour. Mon frère, mets ta chérie. L'église s'en va lever notre voix. On va prier pour notre frère. On va prier. Lève la voix. Que tout programme de sorcellerie et les encôtes contre sa vie. Les idoles, le dimanche. Tout les programmes contre sa vie. À partir d'aujourd'hui. Par la puissance dans le sang de Jésus. Merci Dieu. À partir d'aujourd'hui, je commande que tout pouvoir qui trouble ta vie, qui trouble le plan de Dieu dans ta vie, tout pouvoir qui combat contre ton sang, à partir d'aujourd'hui, je commande que le sang de Jésus s'élève contre ce pouvoir. Et les conjure au nom de Jésus-Christ. Pouvoir qui ne veut pas que tu aimes Dieu, qui ne veut pas que tu travailles avec Dieu. Tu trouves le Seigneur Jésus-Christ. Je commande que tout ce pouvoir, à partir d'aujourd'hui, de te mettre invisible pour tout ce pouvoir. Tu reviens invisible à la puissance du sang de Jésus-Christ. Je couvre ta vie avec le sang de Jésus-Christ. Partout là qu'il va essayer d'appeler ton nom, que le sang de Jésus apparu, les dispersés dans le Jésus. Au nom du sang de Jésus, on va prier. Et je déclare aussi. Toute voix satanique que tu attends, qui n'est pas la voix de Dieu, la voix satanique qui t'appelle, Seigneur Jésus, je prie que toute cette voix soit conjurée par le feu de Dieu dans le Jésus. Je déclare que le plan de Dieu, le projet de Dieu dans ta vie, à partir de maintenant, manifeste par le feu. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Et je te sépare à partir d'aujourd'hui. À cause de cette onction, sur ton livre de onction, je sépare ta vie dans toute l'activité de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Amen. 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 On va prier pour notre frère. Une flèche satanique.
L'influence de sorcellerie. L'influence de sorcellerie. L'influence des esprits de ancêtres. L'influence des esprits ancêtres. L'influence des idoles. L'influence des idoles. L'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Contre sa vie. Contre sa vie. Contre le plan original de Dieu dans sa vie. Contre le plan original de Dieu. Sois congé par le Père. 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 Au nom puissant de sa prière. À partir d'aujourd'hui, il était même dans le plan original de Dieu. Que Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout partout là où il va essayer d'appeler ton nom. Que le sang de l'Esprit s'élève, il est conjugué au nom de Jésus-Christ. Il barricade ta destinée dans le sang de Jésus-Christ. Saint Jésus, prends contrôle de sa vie. Règne dans sa vie. Au nom du sang de Jésus, à votre prière. Au nom du sang de Jésus, à votre prière. Merci Dieu, merci Seigneur. Merci notre Père. Merci notre Père. Merci notre Père. Sois glorifié dans sa vie. Merci. Tout pouvoir qui voulait te déplacer dans le plan de Dieu dans ta vie. Tout ce pouvoir, à travers de ton rêve physique et spirituel, je commande que tout ce pouvoir soit séparé avec le feu. Celui qui n'est pas séparé, que Dieu les conjure avec son feu au nom de Jésus-Christ. Et tout ce pouvoir soit électrocuté par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Au nom du sang de Jésus, à votre prière. Amen. Amen. On va lever notre voix, on va prier pour notre frère. Que tout pouvoir qui ne veut pas que le plan de Dieu, le projet de Dieu se manifeste dans sa vie. Tout pouvoir qui ne veut pas que le plan de Dieu se manifeste dans sa vie. Le projet de Dieu ne veut pas que le projet de Dieu se manifeste dans sa vie. Que le projet de Dieu se manifeste dans sa vie. Sois conjugué par le Père. Prière. Prière, Seigneur de Jésus. Seigneur, toi, Seigneur de Jésus. Seigneur, toi, Seigneur de Jésus. Que ton plan, que ton projet, que ta activité, tout ça que tu as programmé pour ta vie, manifeste. Et tout pouvoir qui sont jaloux, qui voulait élever, qui voulait combattre contre ta vie, qui voulait combattre contre le projet de Dieu dans ta vie, qui voulait combattre contre l'original de Dieu, le plan de Dieu, le plan divin de Dieu dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus les localise et les conjure et les détruit. Au nom du sang de Jésus, à vos prières. Amen. Je te utilise comme un point de contact pour tous ces frères et sœurs. Mais même les petits frères et sœurs, que Dieu descende avec ta puissance. Manifeste ta puissance dans les vies. Règne dans les vies. Que le plan de Dieu, le plan original de Dieu, à partir de maintenant, il est tous localisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, va glorifier ton nom dans les vies. Au nom du Saint Jésus, à vos prières. Amen. 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 On va prier pour notre frère. Tout la nourriture satanique. Activité satanique. Contre sa vie. Contre le plan original de Dieu dans sa vie. Contre le plan original de Dieu dans sa vie. Soit conjugué par le fait. Priez. Le tout satanique. Les armées sataniques. Tout ça que Dieu n'est pas programmé dans sa vie. Qui soit élevé contre le plan original de Dieu dans sa vie. Soit conjugué et détruit par la puissance de Dieu dans sa vie. Au nom puissant de sa prière. Amen. Seigneur Jésus, je l'ai utilisé pour prier pour sa sœur aussi, Christina. Seigneur Jésus, que tout ça qu'on a déclaré là aujourd'hui commence à travailler pour elle aussi au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton plan original pour sa vie commence à manifester. Tout pouvoir qui voulait vous déplacer. Et dans le plan original de Dieu, que nous faisons de l'air conjoint, l'air de Dieu, l'air de Jésus-Christ. Saint Jésus-Christ, prends contre de l'air de Dieu. Je l'ai pas avec le feu de Dieu. Au nom de Saint-Christ, on va prier. Amen.
Tu vas? On va prier que toute activité satanique qui compte. Toute activité satanique. Tout programme satanique qui compte. Tout programme satanique. Tout projet satanique qui compte. Tout projet satanique. Contre le plan original de Dieu dans sa vie. Soit continué par le Père. Il est couvert avec le sang de Jésus-Christ, il est plongé dans le sang de Jésus-Christ, que le plan de Dieu dans ta vie va manifester. Il va essayer de te déplacer au sein de Jésus-Christ, que c'est tout ce qu'on va soit projeté par le fait de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on va prier. De plonger ta vie dans le sang de Jésus-Christ, le plan de Dieu original soit manifesté dans ta vie. Tout pouvoir qui va essayer de pousser et de déplacer dans le plan de Dieu soit conjugué et détruit dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je suis à vos prières. Amen. 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 On va maintenant prier pour les enfants, prier que tout le bon plan de Dieu dans leur vie, la bénédiction de Dieu, le miracle de Dieu, témoignage qui va glorifier Dieu. À partir d'aujourd'hui, on demande au Seigneur que ça commence à manifester dans leur vie. Priez. Que tout leur vie, Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, à quoi de cette prière, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi dans leur vie. Tout le bon plan que tu as pour leur vie, le bon programme pour leur vie, Seigneur, descends avec ta puissance. Descends avec ta puissance, c'est que ça commence à manifester. Témoignage, bénédiction, Seigneur Jésus-Christ, ça commence à manifester. Toute mauvaise, toute négative, toute chose négative, à partir d'aujourd'hui, soit essayé, effacer, mourir et détruire. Toute chose, tout le rapport négatif, à partir d'aujourd'hui, sans Jésus-Christ, efface tout complet, rapport négatif, toute chose négative, appel négatif, parole négative, efface, éliminée par le sang de Jésus. C'est prendre contrôle de leur vie, c'est glorifier ton nom dans leur vie. Merci Dieu, merci Seigneur, merci notre Père. Seigneur Jésus, je te merci pour tout ça que tu as fait et de glorifier pour la vie des parents. Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. La Bible nous a fait comprendre que les enfants là, comme nous aussi, nous sommes bénédictions pour les parents, Seigneur Jésus. Je déclare que tout pouvoir qui voulait changer cette bénédiction, que ça revienne, malédiction, soit consumé par le feu de Jésus Christ. Seigneur, couvre-nous avec ton sang. Seigneur, protège-nous, Seigneur Jésus Christ. Allez-y avec nous. Continuez avec nous. Protège les enfants. Que toutes choses, les maladies des duchamps, les comportements des duchamps, attitude des duchamps, ne devaient pas trouver notre enfant au nom de Jésus. Ils ne devaient pas trouver les enfants au nom de Jésus. Toutes choses des duchamps, ne devaient pas le trouver au nom de Jésus. Ils ne devaient pas trouver les enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. On va bénir le Seigneur. On va continuer. Le reste, la grâce de Dieu aussi, Jésus-Christ, s'il n'est pas venu, vendredi est là. Le jour de. C'est la veillée des femmes.